t'es prêt? Je suis en train de faire les affaires, quoi. T'as pris la caméra de papa? Ouais. Pourquoi? Bah parce que comme ça, quand tu seras vieux, t'auras des images de nous jeunes. Yes. Je vais pêcher, quoi. Ça va pas très vite, hein. Je sais pas ce qu'on peut empêcher. Hein. Je vais pêcher. Pourquoi il veut faire un pique-nique spécialement aujourd'hui avec les parents? Avec les parents, déjà je savais même pas qu'il y avait papa et maman qui venaient, et ensuite non, j'en ai aucune idée. C'est super flippant. C'est même passé le rouleau d'aluminium. Ouais, pardon. Mais tu peux porter le sac? Non. Non, mais je vais demander au capitaine. Capitaine. T'es en vacances depuis quand? Depuis la semaine dernière, là. Je comptais pas forcément faire des pique-niques tous les jours, mais pour l'instant c'est bien partout. Et il est là. C'est bizarre. Mais non, c'est pas lui ça. Hey, mais si, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fous avec un matelas? Ah, je vous expliquerai tout à l'heure. Okay. Salut Clarence, salut Mariole. Alors, toujours docteur? Bah oui. D'accord. Pourquoi tu te trimbales avec un matelas dans un parc? Alors déjà le soleil, il fait beau, il fait chaud, je pensais qu'on pouvait se détendre. Mais en même temps, je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai trouvé un nouveau boulot. Ça y est. T'as arrêté tes études du coup? Oui, j'ai arrêté l'année dernière. Putain, 5 ans d'informatique, à force. J'ai appelé papa et maman. Genre c'est pour leur dire que voilà, j'ai arrêté, désolé pour les études, mais je suis testeur de matelas. Ah non, tu leur dis pas, non, tu vas pas leur dire. Tu vas rien leur dire du tout. Tu fermes bien ta gueule. Non mais il faut bien que je leur dise, genre ça fait un an que j'ai arrêté les études pour faire ça, il faut bien que... Mais t'es complètement con papa, il va te défoncer. Il va te démettre. Et maman en plus en ce moment elle est cardiaque, mais t'es débile ma parole, t'es irresponsable. Mais c'est un vrai métier. Mais c'est pas un vrai métier, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire à papa, il va venir là, tu vas lui dire, ah ben salut papa, j'ai arrêté, j'ai dépensé tout ton argent pour finalement dormir toute la journée. Alors j'ai pas le droit de dormir, dans mon métier j'ai pas le droit de dormir, je dors jamais. Je teste les matelas juste, je teste le confort, mais je dors jamais. Hé, hey, vous êtes pas le capitaine? T'es un sacré connard! Putain! Tu peux essayer, caméra? Ouais, si tu veux, tiens. Tu changes pas les réglages, ça tourne déjà. De quoi? Ça tourne déjà, tu changes pas les réglages. Elle est vieille, hein, fais gaffe. Elle est vieille? Bah, c'est celle de papa. Ah oui. Ah putain, ouais. Ah, c'est la caméra de papa, ouais. Et du coup, moi aussi, j'avais un truc à dire, en fait. Ah ouais? Moi aussi j'ai raté mes études. Que je veux faire réalisatrice. Mais ça va, c'est pas parce que toi t'es docteur et que... On va te faire un genou poitrine papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux lui dire oui alors c'est pas parce qu'on a tous fait des études, mon cul sur du poulet, mais ferme ta... Oh tapis. Non mais je vais pêcher pour Baptiste. Et lui, il aime le canard lui. Bah ça pète. Tac, dwin, les jouets. Pa, blam, les armoires à côté, les lits, pff, les vitres, pff, les gens, aïe, blam, ah zut, non, moi je suis, non, j'essaie de contenir, et là, pa, ça pète, de l'eau, c'est un matelas avec de l'eau et des ressorts, blam, zut, partout là, blablabla. Ta. Go. Et moi je dis là, non, le matelas. Et personne qui me regardait de loin, non, vite, il va mourir. Blam. Napalm. Et moi, je comprends pas, vite, le matelas, je le tiens. Il se dégonfle. Non. Je tombe sur le matelas. Dégonfle tout doucement, plus d'eau, plus de ressort. Et la personne qui voulait prendre le matelas, eh ben elle a glissé, elle s'est fait mal, mais ça lui aurait arrivé ça chez elle. Elle aurait pu avoir la mort. Non, fais pas de bruit, sors le fil, pas de bruit, on va les allumer, t'inquiète, on va les allumer. Ouais, vous êtes où? On est à côté du château d'eau. Ah, je vous vois. Là? Non, mais je sais pas, mais on leur en parle pas. On leur en parle pas. Attends! Viens là!